Eh bien, salut tout le monde, c'est Wizella, et juste pour vous dire que ce let's play est tiré d'un live, donc si vous me voyez interagir avec le chat, c'est normal puisque c'était un live et tout son le chat est affiché sur l'écran. Sur ce, bon visionnage. Allez, allons parler à Merle Ambroise. Ne te fais pas de soucis, bonne mante. Et toi, jeune sorcier, tu devrais te préparer à mettre un terme au noir dessein de Morgana. Tu as restauré la tour de l'éclipse lunaire, et en faisant cela, tu es entré en contact avec l'ombre. Je me rends compte que c'était inévitable. Même si je ne voudrais ni ne pourrais jamais enseigner la magie de l'ombre à Corbois, je suis certain que tu sais la manier. Accroche-toi à ces valeurs quand tu marcheras sur le fin fil qui sépare l'ombre. Il va à présent te falloir trouver l'Alcazar du jugement radieux, un sanctuaire de la magie stellaire. Morgana et ses seigneurs de guerre savent que tu es ici. C'est pourquoi tu devras te battre pour avancer. Courage, nous sommes avec toi. Jumbo, jeune sorcier. Jumbo. Quelle joie de voir ce qui ne joue peut-être pas en ta faveur, d'ailleurs. Mais j'aimerais quand même t'aider encore un peu. Tiens, prends ça et utilise-le avec prudence. Avec prudence. Oui, vous pouvez m'aider si vous voulez. Hein. Tu as vraiment pas de soucis sur ça. Dans le fort Rakias. J'y ai déjà envoyé Zarosinia Champ Funeste t'attendre. Elle te mènera à la plage du Croissant de Lune. De là, tu devras trouver le moyen de traverser l'océan salut, des Maxou. Étoiles déchues. La pierre d'étoiles filantes que tu as prise à Chien Fantôme. Et salut Firka, Pombos, enfin ceux qui ont dit bonjour. Je ne sais pas et comment coucou, tu Polo. Feras pour sortir indemne des temps. Trouve Zarosinia et cherchez ensemble un moyen de traverser l'océan des étoiles déchues. Je sais pas, il me reste combien de places dans ma liste d'amis ? Ça va partir vite. Je suis rendu aux ruines de Alcazar. Ah oui, donc t'as quand même bien avancé. Enfin, je crois que t'as la deuxième ou troisième zone de Chrysalis partie 2. Ce portail là. Ça a commencé par un boss. Besoin d'aide, il reste une place si vous voulez parce qu'il y a mon tempête et il y a Nathanael qui va venir. Donc il reste une place. Si vous voulez. Oh, Nathanael, j'ai joué avec lui hier. Ah bah tiens. Voilà. Les grands esprits se rencontrent. Tiens-toi sur tes gardes. Tout mes larmes, ta victoire Merloc. Sur Chien Fantôme, de nombreux ennemis rôdent. Excuse-moi, j'ai un peu écorché ton pseudo. Les gardes Rakias ont barricadé le sentier qui descend vers la place du Croissant de Lune. J'ai une idée. Qu'à ton stream, les alors que j'ai regardé jusqu'à Stéka. Si nous en avions quelques-uns, nous pourrions t'as un petit peu de retard. Aide-moi en ramassant des œufs de Dragorifort dans la grotte là-bas. Mais méfie-toi, les Dragorifort mordent. Pas très pratique si j'ai pas de monture de place, du coup pour déplacer les deux persos c'est compliqué. Eh bien on est parti. Let's go. Un petit peu de l'esprit en live, ça faisait un petit moment. Vous savez comment? Il y a des mots partout. Que si vraiment il y en a d'autres qui veulent venir, ouais, je mettrai mon tempête en stand-by, c'est pas grave si je referai les quêtes plus tard. C'est pas le souci ça. Oui, ça devrait suffire. Toujours ok pour le perso JCJ. Ouais, toujours ouais. C'est juste que ouais, le manque de temps me fait. Elle devrait s'enflammer rapidement. Dès que tout aura brûlé, nous pourrons nous faufiler jusqu'à la plage du Croissant de Lune. Ok. Les œufs de Dragorifort brûlent d'une chaleur incroyable. Pendant un court moment, les barricades s'embrasent jusqu'au ciel. C'est juste qu'en ce moment, ouais, le temps il me fait vachement défaut. Ne laissant qu'une âpre puanteur. Oui. Niveau 120. Ah non, je suis pas encore 120 moi. Hein. Je suis loin, là justement, je fais les quêtes. Il a parlé, il a dit quoi? Je suis Firka. Ok, t'es Firka, pas de soucis. La plage du Croissant de Lune. La plage du Croissant de Lune est aux mains de la Reine de l'Ombre.
La traversée de l'océan et ses tempêtes est périlleuse. Mais d'abord, nous devons arriver au bord de l'eau. Affronte okay, quelques enfants des sables pour merci. Apprendre le mot de passe. Bon, Barib, je dois aller voir de la famille, bonne chance. Pas de soucis, bon courage avec ta famille. du coup, faut battre les rampants des sables. Ok, on a eu sur les deux. Du coup, il s'est fait choper direct. Le mot de passe est... Utilise le mot de passe pour accéder à la tente. Leur commandant devrait posséder une chevalière. Il nous la faut pour passer la barrière des ténèbres et rejoindre l'eau. Petit bruit de sable quand on marche. Oog, dis-moi le mot de passe. Oog, c'est bon. Tu peux entrer. Alors... Voilà. J'arrive IG, ok. Le pire c'est que le jeu est rageant parfois, bah... J'ai envie de dire comme un peu tous les jeux. Hey, tu ne fais pas partie de mes rampants des... Qui t'a laissé entrer? Je ne sais pas comment tu as réussi à avoir le mot de passe, mais il ne te non, sera boss... pas d'une grande utilité. C'est bon, je l'ai... Il est bientôt mort là. Voilà. Oog, tiens, prends ma chevalière. Mais ne te réjouis pas trop vite. Les blanches lames t'auront. Et puis c'est le cadeau. Avec cette chevalière, nous pourrons descendre facilement jusqu'à la plage. Passe les barrières des ténèbres. Nous devons découvrir qui commande à l'embarcadère. Nous pourrons certainement faire parler les blanches lames. Elles savent probablement qui est le capitaine du port et où le trouver. Mais où tu es là? Chat, il a fait n'importe quoi. Vive les glaces et je ne joue que ça, elle est mort. Ouais, vive les glaces, elle est mort. Oui, sérieux, c'est méchant, mais pas autant que mon prof de français. Oh. Ils sont là pour votre bien, hein. Faut pas les détester, vos profs. Hein. Nous patrouillons uniquement sur la partie supérieure de la plage. Va plutôt embêter les bois flottants. Ils sont mieux informés sur la chaîne de commandement à l'embarcadère. Bah là, on est beaucoup à taper, donc faut taper quoi? Pas bois flottant, c'est du bois ça? On n'a pas la même notion de bois. Hein. Je bidon. La branche. Motif de ouf à recommencer à jouer. J'abandonne lanceur de sort. Tu trouveras le capitaine du port, Mazarina Vent Violent, dans sa tente. Qui es-tu? C'est le fort Rakas qui t'envoie? Je m'appelle Zarosinia, champ funeste. Les fouisseurs essaient de plonger le fort Rakas dans le chaos. Un truc solo? C'est de la folie. Nos marins se tiennent autant que possible et par-dessus le marché, ah non, c'est bon. Une bande de désertropes oui, je suis un port, pardon, chat. Nous a dévalisés. Seule l'ombre, c'est comment ils ont réussi à traverser l'océan. Rendez-moi un service. Trouvez-les et interrogez-les. Yes. C'est pas faux. Wizard est toujours debout. Toujours debout, bien sûr. Mais l'époque de la gratuité était tellement bien. Bah ouais. Mais c'est révolu. Au derby, j'ai connu le jeu. Je me disais que... Ouais, au début, quand j'ai connu le jeu, je me disais que des gamins y jouaient, en fait. Je suis devenu accro aussi. Non mais c'est pas que des gamins hein, qui jouent, hein, franchement. Hein. Genre tu... Tu gagnes ta vie grâce à YouTube ou tu as un métier en vue ou tu es en fac? En ce moment je suis en études à la fac. Mais non, je vivrai jamais, je vivrai pas de YouTube. Hein. De toute façon je monétise même pas les vidéos. Des désertropes sur la plage. Je te laisse également j'ai monté le niveau. Soin de faudrait que j'aille parler pour voir mon familier. Tu découvres des traces qui semblent appartenir à une sorte de fouisseur agile. Peut-être des désertropes. Regarde, en voilà un. Suivons-le. Suivons. Il a filé dans la grotte là-bas. J'ai niveau 98. Merci.
Ouais, on arrive bientôt au level 100. Nice. Là. Kamate, Kamate, Kaora, Kaora, mère, rejetons de l'ombre. Pas de soucis. Merci pour le bien joué. Attends, j'ai rien fait, hein. Voilà. J'ai pas... J'étais à l'abri dans le combat. Oui, j'ai dit que je retirais cette carte, mais j'ai oublié encore. On va mettre la feinte. Tu comptes up niveau 100 aujourd'hui? Ce serait cool, j'espère. On verra bien. Mais oui, par rapport à ce que je disais, par rapport au fait que je suis plus connue entre guillemets sur YouTube par rapport à WizardFR, c'est juste que oui, je suis celle qui continue depuis le début jusqu'à la fin en fait. Oui, il y a Marusha aussi qui s'en sort bien, mais c'est juste qu'elle a commencé plus tard en fait. Puis elle a un style assez différent de jeu, enfin de vidéo. Enfin, Let's Play aussi, mais il fait vraiment toutes les quêtes, tout ça. La crudité était une bêta du jeu pour ce transfert en France. Exact, oui, c'est ça, hein. En gros, parce que aux États-Unis, le jeu était payant dès le début, je crois. Si je me trompe pas, hein. Il y a aussi Siméon, drôle de fin, qui est légèrement plus âgé. Que vous tous, je crois bien. J'avoue que là, ça me dit rien comme ça. Il a ce nom de chaîne Ça me dit rien là, je t'avoue. Enfin, si, mais André de Lefin, je le connais sur le jeu. Enfin, je connais son nom, me dit quelque chose sur le jeu, mais sur sa chaîne. Je laisse tout le monde aller monde les riches. Bah, au fait, aux US, ils hésitent beaucoup moins à mettre de l'argent sur un jeu. Que ça joue. Eh, mais pif, j'en avais qu'un, mais c'est pas grave. Je dis ça deux secondes, ok. Si, mais le plus vieux, ouais, je sais pas son âge pour le coup. Ah oh merde, c'était à plus 45. Tant pis. Je crois que j'ai mis plus 40. Non, j'ai mis plus 30. Je suis perdu, loin et la main. C'est bien, il me booste à fond, c'est gentil. Celle aurait tenu une tête pour la deuxième partie d'Empyrea. Sa chaîne, c'est Wizard Fan. Ah oui, c'est Wizard Fan, pardon. Ok, oui, pardon. Oui, oui, il s'en sort plutôt bien ouais, sur YouTube. Je crois qu'il est un peu plus âgé, ouais. J'avais oublié que c'était lui qui gérait cette chaîne. La deuxième partie d'Empyrea. Alors, normalement, genre, c'est 6 mois après les US. C'est sorti il y a 2-3 mois, je crois. Donc, je pense qu'on l'aura en été. Ça fait combien de temps qu'il y est déjà sur la version US, mais en général on est 6 mois après la version US, non? Tac tac tac. J'attends les pifs et je pourrais taper. Pirateur de CB qui donne des coucou et les gens qui ramènent des. Pec, merci. Salut! C'est beau. Je dirais rien vu que j'ai pas de preuves, mais bon. Si tu penses ça, ok. Mais moi j'en sais rien.
toute façon, je préfère pas lancer d'accusation tant qu'on n'a pas de preuves. Écoutez, on va pas trop en parler sur ce live là, je vois pas trop en parler. On n'a pas de preuves, donc on va pas faire d'accusation. Il y a eu un bruit de follow, mais c'est pas apparu l'alerte. Ça doit être sur YouTube du coup. Une belle sirène. J'étais niveau 88. Merci Nathalie. T'inquiète, je te montrerai en live. Ok. Est-ce que je préfère pas parler de ça en live? J'aurais pu faire du tempétueux plutôt parce que j'avais pas vu qu'il allait tuer. Ouais, fais plus de dégâts. Balance ton youtubeur. Non, justement, on n'est pas là pour ça. Seulement 23 000. Finis sur le live de Mad Gaming. Je connais pas cette personne. Doucement la pub. C'est mon live déjà. Tu parles le fouisseur. Tac 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 tac. Et bonjour d'abord aussi, avant de faire de la pub. La politesse, ça existe. Raconte-moi, ami souris, par le soleil obscur. Et une manche. Notre petit groupe de frères éclaireurs a été attaqué. Un horrimonstre sauvage des pros. Je suis le seul à avoir réussi à m'enfuir échapper. Pourriez-vous m'aider à sauver mes amis? J'étais en mission de reconnaissance lorsqu'un terrible séisme a secoué et branlé la terre. J'ai trotté rapivite jusqu'au camp pour aider mes frères éclaireurs. Rapivite, je connaissais pas ça. Mais quand... Cette caverne empeste le poisson pas frais. Des œufs de fourmilion. Dégoûtant. Je crois qu'on est tous rentrés. Banne-le direct. Non, je vais pas ban, mais... Je suis pas comme ça, mais... Tac, tac, tac. Désolé s'il y en a qui ont pas réussi à rentrer. Il glace encore. D'ailleurs, j'ai dit que je vais enlever ça. Attends. Sortir mon tempête avant qu'il se fasse choper. Je mourrai un autre jour, étranger. Je vous en prie, descendez encore plus profond loin dans cette grotte. Ah, mais c'est un donjon. Ils sont encore prisonniers de ces horrimonstres. Cette fourmilion fut pris dans des raies, dont ses rugissements ne la purent entre les pattes d'une fourmilion, c'est une devinette, un désert trotte sorti de terre à l'étourdi. C'est un poème. Quoi? Non, c'est pas ce que je voulais. Oh, quoi que si, ça va. Ah, il y a deux boss. Bonjour. Quoi, le boss clé entre le badge éléphant en dents et malédiction de Hawkins? Oula, moi je suis pas du tout, je suis nul en badge. Hein. Je sais pas du tout là, pourquoi j'ai pas pouvoir t'aider. Mirage, ça faisait absolument qu'un animal. Ouais, en gros, ouais. Ça dépend quelle école t'es aussi. Non, pas de critique. On est plus long que j'allais, bah ouais. Clairement, ouais. Badge est en deux parties. Donc en fait, c'est deux mondes en quelque sorte, entre guillemets. Puis ouais, c'est long. Tac, tac, quoi, mettre une fin. Oui.
prendre le risque de mettre une feinte sur lui aussi. Ça va nous faire mal. Ouais, Crisis, bah de toute façon. Un bon moyen, voilà, en garde monde, c'est le nombre de SP que j'ai fait sur chaque monde. Bon, même si je coupe des combats et tout ça, et il y a les trucs que je coupe, quoi. Et ça donne une bonne idée aussi. Par contre, Polaris, il est pas du long du tout, je l'ai fini en deux matières. Ah oui, clairement. Moi, je me souviens quand il était sorti, j'ai fait, ouais, je l'ai fini en deux jours, Polaris. En deux après, en gros. Début d'Empire 1, on l'a fait à 3, ça fait, et ça passait. Ouais. C'est un quoi ton micro? Là, c'est un SteelSeries Artist 5. J'utilise. Sinon, j'ai un autre micro, mais c'est juste qu'il est un peu moins pratique pour les lives. Ouais, c'est fait une semaine, je suis toujours au début de crise. Et ouais, c'est long. Le monde le plus long, c'est Marisos. Ah ouais, tu trouves? Moi, je trouve ça va. Ce que j'ai trouvé long aussi, c'est Mushu. C'est parce qu'on est petit niveau, du coup, on... c'est long, quoi. Pas priorité, ça m'arrange pas trop, ça. Soigner. J'ai besoin d'un nouveau PC. Ouais. Faut attendre. Bon, peur là les mobs avec leur pifin quand même. T'as pensé à dormir? Ah oui, du Wazix, ouais, j'ai fait sensible à CST en 3 jours, j'avoue, putain, t'as dû tellement rush. Ouais, les allers-retours, c'est long aussi. C'est tout ça aussi qui fait perdre du temps. Ce serait très gentil qu'il ne tape pas maintenant, lui. Essayer de taper prochain. J'ai fait une nuit blanche à me dire, putain. Là où la quatrième popo, faut parler à Zaltana Abasson, elle te donne une quête secondaire. Et donc qui va te faire parler à un mec à Bastion qui va te donner la quatrième potion. Oh, du courage. J'ai geek sur Wizard, mais j'ai pas non plus fait des nuits blanches. J'étais pas à ce point. Faut être motivé. T'auras pas beaucoup de dégâts. Si. Il reste 4 jours d'abo donc. Ah ouais, donc c'est vraiment le rush complet là. Perdre les jours d'abonnement. Je comprends. C'est pour ça que j'ai acheté les zones, hein. Au moins j'ai pas de soucis. On va tenter de faire quelques dégâts. Bienvenue à ceux qui ont rejoint le Discord. Je vous rappelle que je communique pas mal sur le Discord, donc si vous voulez avoir des infos, là par exemple le live je l'avais annoncé hier sur Discord. Si vous voulez pas mal d'infos en avance, je vous conseille Discord. Ouais. C'est sûr qu'avancer tout seul dans le jeu, faut être motivé. Hein. Quand ton femme donne 3 critiques plus un dégât et que Mega il te donne une licorne. Ouais. Et comme moi pour un an sur chaque compte et voilà, ouais, mais faut avoir la thune aussi pour mettre un an. Voilà, petit critique. Non, pareil pour le moment. Je pense que c'est bon, on les tue.
Ouais, non pas. De toute façon, il y a le plus 80. Plus l'amplification. Bonjour. Ouais, j'essaie de répondre aussi à vos questions quand vous avez des soucis, des trucs comme ça. Une légère envie de suicide. Ouais, tu m'étonnes, le fan. Non, il est pas fou finalement. Clicorne, maintenant ça sert plus à grand chose. Même qui fait la méga, c'est génial. Tu as besoin d'aide? Si vous voulez venir, vous pouvez venir, mais pour l'instant ça va. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'une fourmilion d'un désert trotte eût affaire? J'étais certain sûr que cet orimonstre, je mourrais un autre jour. What? Ok. Il y avait un bug. Ça va, j'ai pas récupéré trop de trucs. Ah, le jeu est sombre là. Éviter. Pas servi, c'est pas trop mauvais, mais sur un stand, ouais. Pas fou. Peut-être sur un vide, ça peut servir les cornes, mais non rien. Enfin, en JCJ, ça peut servir. Grâce à toi, nous mourrons un autre jour. Oh, tu veux traverser l'océan des étoiles déchues. J'arrive avec le compte de ma pote. Le grand saut. On fait quoi, on est en train de vous prendre ce que c'est juste que ça va être un peu chaud au niveau place, hein, si tout le monde vient. Pour la traversée, nous avons subtil y pris un gros monstre marin. Il nous a fallu presque un mois entier pour traverser. Et nous sommes... On murmure raconte qu'un rat aurait déjà fait le grand saut plusieurs fois. Certains murmurent raconte même que c'est un fantôme. Fantôme? Mais pour en sait connaître plus, faut de la vie. Tu vas devoir interroger les bois flottants. La vie. Ils pourront probablement t'en murmurer raconter plus que moi à son propos. Let's go. Encore des bois flottants. Pourquoi tu écoutes les dialogues? Bah en fait c'est parce que c'est un let's play et du coup, enfin... Genre faut un peu écouter l'histoire quand même. Je suis pas dans l'optique de rush rush, hein, je suis dans l'optique de écouter un peu l'histoire. Justement au début je coupais trop les dialogues et c'était pas fou quoi. On se rend pas forcément compte au début mais... Sur l'océan des étoiles déchues. Les blanches lames sont venues me bourdonner, quelque chose du genre. Ah, faut faire les blanches lames maintenant. Faire passer par où là le jeu? Arrache. Ah non, c'est pas un truc. C'est juste un item de quête. Il y a des trucs, il y a des codes comètes aussi ici. Un truc extrêmement chiant à trouver. Arrêtez! Si vous voulez vraiment entendre les salades de marins, allez donc casser les pieds à la première aile. Fais sec. Fais me faire choper son. Tempête, je veux juste de la vie. Mais en gros, ma config PC en carte graphique, j'ai une GTX 1060 6Go. Et en CPU, j'ai un i7-4790. C'est overkill pour jouer à Wizard, non? Mais c'est juste que je fais le stream, je record, je fais du montage, je joue à d'autres jeux. Donc ça joue. Merci Soussou pour le follow. De comète. Thème un peu rare du jeu. Oui, c'est moi, la première aile des blanches lames. Mon nom est Fezrek. Comme voulez-vous. Il y a bien une créature étrange et difforme qui rôde sur la plage du croissant de lune pour nous voler nos provisions. Mes touches. Troupes auraient dû l'éliminer depuis longtemps, mais jusqu'à présent impossible. Je crois qu'il se cache quelque part non loin du roc du crâne. Mais j'ignore où comme sur Switch. Il est rusé. Si tu veux le trouver, bonne chance. Et merci à tous ceux qui ont regardé ce let's play. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.